Tu es une star et tu ne veux pas te faire piéger. Ça te brancherait bien d'échapper à l'équipe de Punk'd. Eh bien, sache que j'accepte les dons à partir de 200 000 $ de la part des célébrités de tout le pays. En échange, tu recevras un contrat te garantissant de ne jamais être piégé. Si t'es hyper connu, style Brad Pitt, ça va te coûter un peu plus cher. Mais je te rayerai de ma liste directe. Et tes enfants ne se feront pas piéger non plus. Il te suffit d'aligner un sacré paquet de zéros sur le chèque que tu me feras parvenir. Aujourd'hui, on va servir à Chris Brown notre spécialité à la sauce Punk'd. J'ai mal au cœur. Je suis navré que madame soit malade, je ne vous compterai pas son repas. Occupe-toi de tes affaires. C'est des menaces? Non, c'est une promesse. Les P.O.D. font fausse route. Circulez, circulez! Est-ce que vous avez du mal à respirer? Non. Et E-40 joue les mecs serviables. Vous portez plainte? Bien sûr. Contre moi? C'est tout de suite dans Punk'd. Auparavant, on ne craignait pas de tomber malade en allant dîner. Mais aujourd'hui, dès qu'on va au restaurant, on a peur d'être empoisonné. C'est ça l'idée. Le rappeur Chris Brown va emmener sa mère et son agent au resto. Sa mère va tomber malade à cause de ce qu'elle a avalé. Et là, il va péter un câble. Si vous donniez un plus gros pourboire au serveur, peut-être qu'il déconnerait un peu moins avec votre commande. La mère de Chris sera notre complice, et Tina aussi. Rory sera le serveur, et Shaima la directrice. Steven va jouer le rôle d'un client, et le flic sera interprété par Drew. Moi, je serai prêt à payer 10 dollars pour être sûr que personne n'a craché dans mon sandwich. J'ai des doutes. Bonjour, mesdames. Monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez des petits pains italiens? Non, monsieur. Nous servons de la cuisine asiatique. Mais nous avons de délicieuses côtelettes. Que nous conseillez-vous d'autre? Ok. Il est reparti. Il a filé. Un jus de fruits et un thé glacé. Je peux avoir plus de glaçons? Il n'y en a que 3. Très bien. Arrête de te la péter, mec. Et voilà, un thé glacé avec beaucoup de glaçons. Merci. Il m'énerve, ce type. Il a fait un thé glacé. Ne le bois pas. Je voudrais un jus de fruits. Le thé n'est pas bon? Non. Alors maintenant, il vous faut du jus de fruits? Oui. Vous savez qu'on va devoir vous le facturer. Oui, oui. Très bien. Quel crétin! Et voilà. Merci. Bon appétit. Merci. Mon plat a un goût bizarre. J'ai mal au cœur. C'est vrai? Ouais, j'ai envie de vomir. Je vais aux toilettes. C'est dégueulasse. Est-ce que vous vous sentez bien? J'étais aux toilettes et j'ai entendu deux serveurs qui discutaient. Je crois qu'il y a eu un problème avec votre commande. J'ai préféré venir vous le dire. Merci. C'est gentil. Va voir si ma mère va bien. Ça va? J'ai vomi. Pourquoi tu pleures? Parce que je suis malade. Appelle un médecin. Je vais appeler un médecin. Oui, s'il te plaît. Elle est malade. À cause de ce que vous avez mangé chez nous? Notre serveur a mis quelque chose dans nos assiettes. Rory, tu peux venir une seconde? Vous voulez dire qu'un de mes serveurs a voulu vous empoisonner? Vous imaginez les répercussions de vos accusations? Une répercussion est la conséquence de quelque chose. On sait ce que ça veut dire. Je voulais être sûre que vous compreniez bien. Parce que vous êtes sur le point de salir notre réputation. Elle a mangé chez vous et ça l'a rendue malade. On ne peut pas tomber malade tout de suite après avoir mangé quelque chose. Est-ce que vous avez pris le petit déjeuner quelque part? Non, elle a mangé qu'ici. Elle a peut-être attrapé une gastro-entérite. Je me suis jamais sentie aussi mal. C'est dingue, cette histoire. J'ai vraiment mal au ventre. Moi, je paierai rien. Je viens de discuter avec lui et il dit que vous êtes difficile comme client. C'est faux. Vous lui avez manqué de respect? Jamais. On lui a pas manqué de respect. Mais lui, il m'embrouille depuis le début. Je reviens, je m'en occupe. Messieurs, dames, voici l'addition. Je suis navré que vous soyez malade. Désolé.
ne paye pas. Je suis désolé qu'elle soit malade. J'ai apporté l'addition et je n'ai pas compté son repas. Vous avez prétendu quand vous avez manqué de respect. Écoutez, je ne veux pas faire d'histoire. C'est juste que vous avez été impoli. Impoli? Alors moi aussi. On n'a jamais été impoli. Comme par hasard, c'est les plus impolis qui râlent quand l'addition arrive. Retourne faire ce que t'as à faire ou ça va mal finir. Là, vous me manquez de respect. C'est ça, retourne faire ce que t'as à faire. Sinon, je vais t'exploser la gueule. Surveille ton langage. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est des menaces? Ça suffit, Chris. Tu viens chez moi et tu me menaces? C'est pas des menaces, c'est une promesse. Qu'est-ce que tu vas faire devant tous ces témoins? Tu verras. Qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète. J'en étais sûr, tu vas rien faire du tout. Tu verras. Bonjour. Votre nom? Chris. Chris, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a mangé une bouchée de son plat et elle a tout de suite été malade. Okay. Elle est partie aux toilettes. Et là, un monsieur nous a demandé, est-ce que vous vous sentez bien? Qui ça? Un type. Elle est revenue des toilettes en pleurant. Elle voulait que j'appelle une ambulance. Et là, le serveur s'est plaint de notre attitude, alors que c'est lui qui nous sortait des phrases du genre « Je vais devoir vous facturer ça ». Je viens de parler à la directrice. Bonne nouvelle, elle ne portera pas plainte. Pourquoi elle voudrait porter plainte? Tu t'es fait piéger! J'en étais sûr. Quand quelqu'un fait pleurer ma mère, faut que je le cogne. Je me suis salement fait piéger. Dans Punk'd, la première prise doit être la bonne. On n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas recommencer ou retenter sa chance. Alors le coup d'essai doit être un coup de maître. Et quand on met le paquet, finit la rigolade. On va envoyer un camion-citerne, deux camions de pompiers, trois voitures de police, un hélicoptère qui survolera les lieux, des tentes et des centaines de figurants. On va bloquer une autoroute et déverser le contenu du camion-citerne partout. Tout ça pour voir deux types se foutre en calbar. On va bien se marrer. Notre victime est Sony du groupe POD. Les POD parcourent gentiment les routes. Mais ils vont tomber dans notre piège. En gros, on va dépenser le PIB d'un petit pays d'Afrique pour que deux types se dessapent. Préparez-vous pour le striptease. Vous trouvez qu'on va trop loin en obligeant deux gars à se foutre à poil? Le soleil est au beau fixe sur Los Angeles, la température est de 20 degrés. On nous signale un accident sur l'autoroute. Un camion-citerne transportant des produits chimiques s'est renversé, répandant des liquides toxiques sur la voie. La circulation est interrompue. Les équipes de nettoyage sont déjà sur les lieux. Je vous recommande chaudement de contourner la zone. Merde alors. Par ici, monsieur. Avancez. Comment vous êtes arrivé ici? Suivez cette camionnette. Circulez, circulez. Messieurs, vous traversez une zone contaminée par des liquides toxiques. Combien êtes-vous? Trois. Garez-vous derrière cette camionnette. Sortez du véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Quelle merde. Est-ce que vous ressentez une douleur à la poitrine? J'en sais rien, mon cœur bat vite. Hein? Allons-y, messieurs, en sous-vêtements. Faites ce qu'on vous dit. On va vous décontaminer. Levez les bras. Messieurs, déshabillez-vous. On va vous décontaminer. Mettez-vous en sous-vêtements. Qu'est-ce que je dois faire? Enlevez vos vêtements. Vous devez être décontaminé. Des questions? Je rêve. Est-ce que vous avez sur vous des appareils électroniques ou un portefeuille? Non. Je vais mettre vos effets personnels dans un sac et je vais devoir les jeter. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Sonny. Avancez-vous, s'il vous plaît. Vous avez des questions? Vous allez me mouiller les cheveux? Oui, monsieur. Oh non. Par ici, monsieur. Est-ce que vous avez du mal à respirer? Non. Est-ce que votre bouche a un goût métallique? Non.
Est-ce que vous ressentez une brûlure au niveau génital? Non. Est-ce que vous épilez certaines parties de votre corps? Vous n'avez pas vu le panneau? Non. Tournez-vous, monsieur. Est-ce que vous ressentez des démangeaisons? Non. Placez-vous au centre du cercle et tendez les bras sur les côtés. Plus haut. Sonny, vous allez bien? Vous respirez sans problème? Vous êtes sûr que vos parties génitales ne vous démangent pas? Vous les tripotez beaucoup. Par ici, monsieur. Pourquoi est-ce que ça me gratte? C'est quoi? Messieurs, est-ce que vous avez des questions? Non. J'ai les cheveux trempés. On va vous faire passer un examen. C'est le protocole. Je vais tester votre activité cérébrale pour m'assurer que tout va bien. C'est un examen de routine. D'accord. Pouvez-vous me dire quelle couleur vous voyez sans lire les mots qui sont écrits? Jaune. Ne lisez pas les mots. Quoi? Donnez la couleur. Vous comprenez ce que je dis? Oui, jaune. Indiquez les couleurs, pas les mots. Vous êtes allé à l'école primaire? Quoi? Vous êtes allé à la maternelle? Jaune. Bon, dites-moi ce que vous voyez. Des carrés. Vous ne voyez pas la forêt, la famille et le chien? Vous ne les voyez pas? Non. Et l'enfant qui joue avec le chien, vous ne le voyez pas? Waouh, c'est pas bon signe. Je vais vous demander de vous concentrer. Détendez-vous. Pas de problème de capacité motrice? De capacité motrice? Oui, des problèmes moteurs. Pouvez-vous tendre votre bras comme ça? Posez votre index sur votre nez. Ce sont vos capacités motrices. Comptez les carrés noirs sur cette image. 35. Non, il y en a 36. Quelle marque de déodorant utilisez-vous? Degré. Fraîcheur douce ou sportive et sensuelle? Vous savez que c'est un déodorant pour femmes. Moi, j'utilise un déodorant Degree. C'est un vaporisateur? Est-ce que vous avez envie d'aller à la selle? Non. Vous allez passer une nuit agitée, monsieur. Vous utilisez un shampoing moussant? Je crois bien, oui. De quel type? J'en sais rien, pour bébé, je crois. Pourquoi utilisez-vous un shampoing pour bébé? On a un échantillon de cheveux? Pas encore. On va vous prélever des cheveux. Je refuse de couper mes dreadlocks. Je vous comprends, elles sont magnifiques. Vraiment chouettes. Hélas, si vos cheveux sont contaminés à cause de vos dreadlocks, faudra peut-être les couper. Ils couperont rien du tout. On a le choix. Soit on coupe une cinquantaine de centimètres, puisque vous refusez qu'on les traite, soit on vous met en quarantaine pendant 3 ou 4 jours dans le labo. C'est d'accord. Messieurs, nous allons procéder à une mise en quarantaine de niveau 1. Il faut recommencer la décontamination. Monsieur, veuillez vous lever. On reprend tout depuis le début. Vous désirez être mis en quarantaine pour 2 ou 3 jours. Là-dedans? C'est vous qui avez fait ce choix. Excusez-moi, monsieur. Vous avez été piégé. Où est Wolf? Il n'y avait pas moyen qu'il les coupe. C'était notre tour. Les POD se sont fait piéger. Zut. Pourquoi j'ai mis un boxeur pile aujourd'hui? On est les POD et on vient de se faire piéger comme des bleus. C'est toi qui t'es fait piéger? Je me suis fait piéger. Vous êtes une mèche, salopard. Désolé, Southstorm. Nul n'est invincible. Le rappeur E40 vient de sortir un nouvel album intitulé My Ghetto Report Card. Et j'ai une nouvelle qui va vous scotcher. Vous avez déjà entendu un rappeur finir tous ses mots en easle? Eh ben, il paraît que c'est E40 qui en a eu l'idée. Bien avant que Snoop Doggy Dogg ne lui vole easle, son concept easle. Bon, nous on sait que E40 est toujours prêt à rendre service. Alors quand il va voir Johanna en train de trafiquer la portière d'une voiture pour récupérer son petit chien, il va lui filer un coup de main. C'est vraiment un mec isole, génial isole. Joe va jouer le propriétaire de la caisse, accompagné de son pote John. Les flics seront interprétés par Scott et Jonathan. Et c'est Stevie qui jouera le rôle du chien. Vous êtes prêts à vous faire piéger, Isole? Coucou ma puce. Commettez une infraction? Non, j'ai laissé les clés à l'intérieur. Vous pouvez m'aider? C'est bien votre voiture? Oui, mon chien est enfermé à l'intérieur. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là.
Un serrurier, ça coûte 30 dollars, vous les avez? Ma copine bosse juste là. J'y vais et je reviens. Allez-y. J'arrive, essayez de l'ouvrir. Tu veux bien mettre tes doigts ici? Tu veux que je fasse quoi? Glisse tes doigts ici pour créer une ouverture. C'est trop petit. Alors tire ça. La nana est juste en face. Qui ça? La propriétaire de la voiture. Vos clés sont à l'intérieur? C'est les siennes. On a joué les bons samaritains et on lui a filé un coup de main. Vous n'êtes pas le propriétaire du véhicule? Où est votre voiture? Là, on attend notre limousine. Elle a laissé son sac à main? Oui, elle est allée appeler son assistance auto. Laissez-moi vous dire un truc, j'ai pas besoin de chourer sa putain de voiture. Je vois. Ne vous mettez pas les mains dans les poches, reculez. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je suis le propriétaire de la voiture, il y a un souci? Vous êtes mêlé à cette histoire? C'est ma voiture. C'est votre voiture? Et ça, qui c'est? C'est à moi, c'est la laisse de Stevie. Dites-moi ce que vous êtes en train de faire à ma voiture avec ces cintres. On la surveille. Et qui s'est servi de ces cintres? Une nana, ça doit être votre copine, elle vient juste de partir. J'ai pas de copine. Alors pourquoi il y a un sac à main à l'arrière? C'est le sac d'une femme. C'est le sac de ma chienne, Stevie. C'est pas un sac de femme. C'est le sac de ma chienne. On n'a pas essayé de prendre quoi que ce soit à l'intérieur, mon frère. Ce n'est pas votre voiture, il nous a présenté les papiers du véhicule. Et où est passée la jeune femme dont vous parlez? Elle est partie. À quoi elle ressemble? Elle était blonde, non? Je crois, oui. Pourquoi tu rentres pas? Où sont tes clés? Les voilà, mon pote. Alors pourquoi tu laisses pas sortir ton chien? Scott, il a les clés du véhicule. Écoutez les gars, il pourrait porter plainte pour tentative de vol. Pourquoi tu crois ça? Vous avez un cintre. On voulait aider cette nana. Et c'est qui cette fille? Elle est où? J'en sais rien. Est-ce qu'elle avait les cheveux frisés? La voilà, elle est là, elle est là. Elle est là. C'est elle. Regardez, c'est quoi cet embrouille? Est-ce qu'elle a les yeux verts? J'ai pas fait attention. Elle essaie de récupérer ce putain de chien depuis qu'ils se sont séparés. C'est mon ex. Vous êtes son nouveau mec? Vous êtes impliqué dans cette histoire? Je suis un bon samaritain, c'est tout moi, ça. Vous désirez porter plainte? Bien sûr. Contre moi? Contre vous deux? Regardez toutes ces rayures. Tout ce qu'on sait, c'est que vous étiez en train de forcer la serrure. Et puis, vous nous avez raconté une histoire à dormir debout. Comme quoi, vous faisiez ça pour rendre service à une jeune femme. Mais vous ressemblez à deux types qui essayent de voler une voiture, c'est tout. Pourquoi vous voulez voler mon chien? Ben voilà, c'est elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon ex. Et c'est ton nouveau copain? T'es taré? C'est des conneries, on se connaît même pas. T'es malade? Tu voulais qu'il récupère le chien? C'est pas ton chien. Je l'avais déjà avant qu'on sorte ensemble. Ils m'ont filé un coup de main. T'es un menteur, c'est mon chien. Tout s'explique. Un de vous deux se la tape? Elle est dingue. Si tu te la tapes, barre-toi vite fait. Tu m'as plaqué pour cette tâche? Tu m'as dénoncé aux flics? Est-ce qu'elle vous a rémunéré? J'ai l'impression que vous ne saisissez pas. Elle vous l'a dit. On essayait de l'aider à entrer dans sa voiture. Je lui ai posé la question, j'ai demandé, vous êtes sûr que c'est bien votre voiture? Ne fais pas semblant d'aimer cette chienne. Arrête de la faire flipper. Elle a eu sa dose pour ce soir. Vous avez rôdé autour de la voiture, vous avez frappé à la fenêtre et fait des rayures partout. On dirait que vous avez plus les boules pour le chien que pour la voiture. Il faut boucler cette tâche. Elle vous aurait payé pour que vous récupériez le chien. C'est sa version des faits. Comment elle pourrait m'acheter? J'en sais rien. J'ai un compte en banque bien rempli. Tout va bien. Pourquoi est-ce que j'accepterais d'être payé pour commettre une infraction? Il ne s'agit peut-être pas d'argent, mais de sexe. Hé, hey, j'ai une dernière chose à vous dire. C'est important. Ça suffit. Je peux parler? Allez-y. Tu viens d'être piégé, mon pote. Tu t'es fait piéger! Tu t'es fait piéger! Tu vas voir, toi. Je me suis fait piéger, c'est pas grave. Rien ne peut m'atteindre. Rien du tout. Moi, c'est E-40, le roi du slang, et je me suis fait piéger. Il faudrait peut-être que j'écrive un bouquin où j'expliquerai que s'il arrive des trucs chelous et que t'es une star, alors t'es peut-être en train de te faire piéger. Est-ce qu'on pourrait sortir un manuel expliquant comment ne pas se laisser piéger? À Los Angeles, quand on appelle les flics parce qu'on a vraiment besoin d'eux, il faut les attendre pendant deux plombes. Alors quand ils se pointent au bout d'une demi-heure, pour pas qu'on arrive au bout de la pellicule, par exemple, alors c'est que punk, t'es sur le coup.